Salut, c'est Vanderrift. On se retrouve tout de suite après l'épisode. Bon, hein, tout de suite, c'est vite dit. Mais bon, il y a une petite pause, hein. Voilà, hein. Je suis pas professionnel, hein. Voilà. Toujours petit truc, tranquille. Et bon, moi j'ai ma deuxième armée. Alors, soit tu formes mon intro, soit tu te présentes pas. Ben, moi c'est Zazu. Si vous regardez cette vidéo maintenant, moi je vous conseille les. C'est la combien ça, Jacques? Alors, voyons voir. Alors, ton commentaire, c'était à quelle vidéo à ton avis? Une idée. Ah bah. Bon, c'est alors, épisode 25 dans mes calculs, normalement. T'as mis dans. 25? Ouais. Bon, ben, je vous conseille de regarder les 24 autres épisodes. Bah, le 24ème, c'est ce qu'on avait fait dernièrement, quoi. C'est... Ouais, mais les 24 autres! Oui. Et oui! Bah, il est assez chaotique aussi, quand même, cet épisode. Hein, parce que on a fait réussir à 3 batailles en une seule session, quoi. Ah ouais? Bah ouais! En fait, on a fait la bataille de Merv. Voilà. Après, on a fait la bataille de. Ah, de l'embuscade sur Carthage que j'ai fait ici. Voilà, que je montre bien aux spectateurs. J'ai même deux petites épées qui disent que j'ai fait une bataille épique là-dessus, parce que j'ai massacré tout le monde. Et le général était tellement chanceux qu'il n'y a que lui qui a survécu à l'embuscade. Il a fui avec deux pauvres de ses gardes du corps. Et après, la troisième bataille, tu t'es défendu à Merf contre deux armées un peu plus quoi, de part. Quoi. Mais ça avait trois armées, quoi, trois généraux. Que j'ai buté les trois généraux avec la cavalerie. C'était pas mal, voilà. Oui. Bon, et ton tour, t'en fais quoi aussi? Ah, je vais me faire buter! Non! Je lag. Ouf. Ah, tu lag? Hein? Je lag beaucoup, en fait. Taram! Oh! Alors, ouais. Ça, c'est des méchants. Bah, ouais. Non, c'est peut-être parce que je regarde l'anime que je t'ai dit en question. Non, je pense pas parce que c'est qu'une page internet, mais bon, j'étais à la fin de l'épisode quand je t'ai. Ah oui, parce que monsieur regarde Jojo Bizarre Aventure. J'ai découvert ça, c'est tellement nawak ce truc. Franchement, ça déchire. Le premier en mode gentleman de l'extrême, l'autre c'est un putain en mode loupard mais avec un bon cœur quoi, qui fait des trucs imprévisibles quoi, c'est tellement épique. Quoi. Mais le pire c'est qu'ils arrivent à faire des ADF encore plus puissants quoi, tu te dis, mais c'est tellement nawa quoi. C'est... Ouais, mais le pire mon gars, le pire c'est le mec du dernier là. Trop fort. Quoi, le troisième des. Bah, en tout cas, du groupe du 3, quoi, qui dit mettre aux deux autres, alors que c'est ça qui est bizarre, quoi. Si c'est lui qui est le plus fort. Ou c'est un autre groupe d'adversaires. C'est dans le tout dernier. C'est à la fin de Jojo Bizarre Aventure. Ah, ok, ouais, ok. Bah, je suis pas encore là, ouais. Pour pas spoil tout ça. Ouais. Le spoil, c'est le mal. Mais non! À la fin de Star Wars 7! En plus, je regardais le. Merde, j'arrive pas à le prononcer, alors. Bon, je vais dire en français, c'est plus simple. Comment aurait dû se finir. Voilà. Sur Star Wars 7, et il est excellent, quoi, putain. Ouais. Tu connais. J'ai vu, oui. Ouais. Quand même. Ah, faut que j'aille voir. Batman versus Superman. Oh bah je sais qui c'est qui va gagner. Ouais, je sais aussi. Ouais. Je sais aussi, mais. Bah c'est obligé que. Bah oui, c'est obligé que ce soit lui. Ouais. Parce que sinon. J'ai pas vu le film, je l'ai pas lu, mais c'est obligé que ce soit le mec qui représente le plus l'homme et pas l'autre demi-dieu, tu vois. Ouais, c'est exactement. Ouh, le prix de la dévotion afin de payer le coût d'entretien des temples. Quoi? La grande prêtresse veut introduire une taxe? Oh, mais c'est pas bien ça. Oh, taxé, attends, j'ai comment en politique ou là? Ah bah non, je vais... On va travailler en équipe, je pense, parce que j'ai pas tant que ça de réputation, d'influence, alors... on va essayer de se cliquiner comme les prêtres, hein. Donc on va travailler en équipe, voilà. Comme ça, peut-être j'aurai des taxes. J'ai jamais eu cet événement, je crois, donc... Bon, je connais pas tous les événements par cœur, donc... je peux savoir ce qu'ils font tous, quoi. Non. Moi, je le connaissais. Voilà. Bah, je voilà. Découvrirai voilà. Ce que ça fait. Un quoi. Truc que ça je le note, à noter d'une pierre blanche, un truc que tu ne savais pas sur en Total War. Voilà,
Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Ah putain, j'ai trop de... Merde, comment ça s'appelle? D'agents. Et... Attends, ils ont quoi? Ils ont... Ah, il faut que je recrute encore de nouveaux soldats ici, parce que sinon je vais prendre Excuse-moi, le cher. mec a trop d'argent. Le mec en a trop. Là, je suis en train de recruter une armée à Syracuse pour éviter l'invasion carthaginoise, on peut dire. Ah, il y a une flotte, tiens. Je suis en T'es pas train en guerre de... avec Syracuse? Non, Syracuse, c'est mon pote contre Carthage, en fait. Je l'ai encoquiné pour qu'il en batte une d'armée, tu vois. Comme ça, j'ai plus qu'une moitié d'armée à combattre. Ah! J'ai fait le lâche. En plus, Oh! il a fait le truc avec son champion là. Voilà, Syracuse. On va faire plutôt Alors, ça. il y a des navires carthaginois qui se baladent au calme. Oh, tiens, c'est vrai qu'il y a un héros de merde que je... Bon, c'est pas grave. C'était un armée que je... un héros que j'avais perverti. Ce n'est pas grave. Oh! L'armée libyenne a essayé de m'échapper! Mais mon espion viendra à bout de toi. à part ça, bah, j'avais une attaque à faire. J'ai pas cette portée. C'est dommage. Je suis obligé d'attaquer avec celle-là qui a plus tant que ça d'effectifs sur la cavalerie. C'est embêtant ça. Et il y a une... Oh mon dieu. Ah! C'est problématique ça. Donc. Je pense que je vais faire ramener quelques renforts. Moi je vais prendre la deuxième armée en renfort, pas l'armée qui a déjà attaqué contre l'embuscade. Parce que là je me paye, en fait, l'armée de garnison, une armée complète plus une armée à deux tiers de flotte. Et merde, pourquoi il se rejoint pas là? Oh. Je suis obligé de faire marche forcée pour qu'il se fasse apporter. Non, vous êtes un... ok. Mon jeu m'a trollé! Qu'est-ce qui s'est passé? Je mets marche forcée, tu vois, et finalement je peux pas me déplacer plus, et donc troll. Ah, mais parce que t'es. Ah, mais oui, mais ça s'arrête. Et donc je vais Parce que devoir. t'étais bloqué avec un espion, non? Non, non, non. J'avais tous mes mouvements, étaient Ah, longs, bah tu quoi. t'es fait troller, oui. Ouais, je me suis fait troller. Attends, je réfléchis. Une armée complète comme ça, techniquement plus à jour, il y en a 10. Est-ce que j'arriverai à percer? Ah non, je vais quand même prendre le soutien de la deuxième armée sans les galades parce que je vais pas y arriver, je pense pas. Et là, il me dit que je vais gagner. Ah, là, je suis un peu obligé de le faire parce qu'il y a un galade qui s'est fait mitrailler la gueule à cause de toi, il y a tout à l'heure. Hein. Comment? Bah, l'épisode précédent, t'as réduit à 30, même à 20, un galade, quoi. Non. Et à cause de ça, je suis obligé de faire l'assaut, sinon il va crever, quoi. Non. C'est chiant à recruter ces petites merdes, donc... C'est sur la deuxième armée, hein. Lequel? Ah, la deuxième armée. Bah, c'est ça qui a pris l'embuscade, hein. Non, oui. Subissez le courroux de Oh, Pergame. il pourrait survivre, lui. Ouais, mais t'as vu toutes les armées qui sont en renfort. Là, c'est la première grosse bataille contre Carthage, hein. Et c'est... Ah. Et je le... Attends, c'est... Attends. C'est quoi déjà comme pays de base? Attends. C'est l'Algérie, voilà. En Algérie que je combats, quoi. Ou Tlemcen, ça dépend des époques. Je sais pas à quelle époque ça, on appelle ça, ce truc. Ou Tlemcen, je sais pas comment on prononce et je vous emmerde. T'as Les de noms. l'artillerie? Oh, le mec a même pas d'artillerie. Oh, mais. Moi, je suis pas un lâche complet, c'est pas pareil. Moi, c'est. Je... C'est pas être lâche, c'est la guerre, mon gars. Mais non, l'artillerie sert pour détruire des murs, pas pour tuer des gens. Ça marche, hein, aussi. Ah, ça marche, oui, c'est sûr. Fais gaffe, c'est des bateaux avec des tours. Oh mon dieu. Oh mon dieu! Bon, de toute façon, il va un de ces quatre débarquer. Il va débarquer, de toute façon, ma cavalerie sera là pour l'accueillir. Je sais pas, il y a combien il y aura, ouais, il y a assez de place. Bah, en fait, dès qu'il débarque, il est dans la merde, hein. Moi. Alors, on va faire les trois cavaleries ici. À moi. Oula, c'est vrai que ça lague un peu. Ah, intéressant. Ah, c'est pas qu'à moi, hein. Ouais, c'est bizarre. Intéressant.
Ok, les renforts arrivent de la droite. Ok, bah, je vais laisser là plutôt la cavalerie qui va arriver de l'autre côté. Ok, donc. Réfléchissons. Si j'attaque par ici, c'est un peu la merde aussi. Mais comme il y a l'autre armée, il faudrait quand même que j'attaque par ici. Mais il y a les renforts. Que je ne sais pas où ils arrivent, mais je suppose qu'ils vont arriver de par ici. Je suppose. Admettons. Donc, on peut essayer de quand même m'attaquer plus sur le côté gauche. Les piquiers vont défendre l'arrière avec des tirailleurs et les galates seront là pour essayer de percer sur le flanc droit au moment voulu. Ce qui me fait 50 compos. Voilà. Et la cavalerie pourrait se tenir. Tu es d'accord? Complètement. Bon, bah on va voir ça tout de suite. Hein. Ok, les bateaux! Ok! Je suis pas là, moi je cours. Es sur la colline là, tu peux pas aller sur la colline? Ah putain. J'avais bien Les prévu renforts ennemis ça sont en pour les approche. bateaux. Par contre, faut que je fasse venir mes renforts le plus rapidement au front. Ah, une cavalerie. C'est mon cavalier général. Cours, toi. Ouais, ça lag. Waouh. Mais par contre, je subis des Je rame tirs trop d'artillerie, moi. moi. Des bateaux. Putain, je rame Intéressant. trop. Ouais, c'est impressionnant. Bon, ça va, ça commence à se régler petit à petit. Attends. Ah merde, les renforts sont là. Ok, il faudra que je bloque rapidement. Attends. Déjà, je vais faire un groupe de cavalerie parce que là, j'ai les renforts, ils s'arrivent toujours éparpillés. C'est toujours insupportable quand ça fait ça. Ouais, c'est chiant. Donc là, je vais faire un petit groupe pour savoir qui est qui. Non, pas le. Voilà. Bah, les tireurs, limite, je te laisse gérer un peu, non? Moi je rentre trop là. Comment ça, t'en as trop? Ah ouais. Je ne Non, comprends. je peux pas, je pourrais clairement pas. Hein. Comment ça, tu pourrais clairement pas? Non, faudra voir après, mais vas-y, fais la bataille. Ok. Je pense qu'il faudra que je redémarre parce que. Ouais, bon. Il y a un truc qui va pas. Mais bon, vas-y, fais la bataille, de toute façon, on s'en fout. Bon, bah, il y a un Galad qui va rien faire, il va se foutre là. Et il est où mon dernier tireur? Il est là, merci. Ok, ma cavalerie attend le débarquement. Ceux-là, qu'est-ce qu'il y a en face? Ok, quelques tireurs. Ok, ma cavalerie va aider un petit peu. Je vais en prendre deux ici qui va attendre l'action. Ok. Ah merde, oula! Ça, je m'attendais pas à ça. Tout de suite. Ok, je suis obligé d'attaquer. Notre général se fait Oui, ça je attaquer. sais, Notre général. j'ai contré l'assaut. Heureusement que je regardais à temps. Ah bah le général de corps à corps il a fait le con. Il se prend trois cavaleries, il est encerclé. Oh. Ah le con. En même temps, il a chargé. Il aurait eu de la Tarantina, ça aurait été tellement cancer. Ouh, la charge sur le général! Bah oui, c'est ce que je fais quoi. Merde, attends, là je commence à plus savoir ce que je fais parce que j'ai tellement d'unités que je m'éparpille. Alors, attends, ça c'est ça que je veux. Donc vous allez vous charger à faire un blocus. Vas-y, fume. Ouais, non, attends. Donc, toi tu vas te mettre ici. Et vous deux, vous allez faire ça. Ok. Les tirailleurs du groupe 5, vous allez vous mettre ici. Ok. Ah, mais il y a déjà Javelot Libyen ici. Ah merde. Bon. Dans tous les cas, je vais envoyer les hoplites ici, dont deux. Merde! Merde! Qu'est-ce qui s'est passé avec mon groupe? Oula. Il s'est passé un truc chelou. Ah d'accord. Qu'est-ce qui se passe dans les groupes? Pourquoi ils font ça?
Ah, parce que j'ai pas vu le débarquement ici, je suis con! Ah, je suis con, j'ai pas vu le débarquement ici! J'ai fait le con! Où ça le débarquement? Mais ils ont... il y en a un peu à l'est parce qu'il y a la garnison, quoi. Ok. Donc, les peltas du groupe 7, vous allez foncer ici. Vous allez courir vite. En fait, tu vas perdre d'autres troupes. La cavalerie est plus remplaçable. C'est pas grave. De toute façon, dès que le général ou deux de ses armées sont mortes, c'est bon. Hein. Ouais. Là, ça commence à flancher. Le général ennemi est mort. Bon, déjà, un de moins. Ok. Bon, alors, où c'est que ça pue? Bah, indique-moi où ça pue, parce que je peux pas tout regarder. Bah, pour l'instant, ça pue pas. Hein. T'as un peu un gros cafouillis ici. Ma cavalerie va se retirer ici. De toute façon, j'ai battu la cavalerie adverse, c'est pas... c'est bon ça. Là ça pousse, là ça fait le tour, non. Ce qui se passe dans la ville, c'est bien. Allez, j'ai oublié. Cela. Allez, la cavalerie, fuyez, vous avez fait votre boulot. Fuyez, pauvre fou. Ah, une autre cavalerie carthaginoise. C'est quoi la cavalerie qui te... cavalerie carthaginoise? Ah non, c'est bon, il y en a marre. Ouh, les autres, regardez. Ils vont foncer direct sur tes... Ah non, tu les as protégés. Ah ouais. Et ton autre armée de renfort là, je sais pas ce qu'elle fait. Bah, elle est occupée à sa manière. Oh, les porteurs galates, c'est lâche! Regardez-moi, c'est lâche! Je te cache dans la forêt, mon gars. Attends, j'ai pas d'autopic là? Si, là. Allez, vous, courez par là. J'ai besoin de vous. Les autres piquets. Ça va être vous, ouais, c'est ça. On va déjà courir par ici. Alors, voyons voir le combat. La cavalerie va être ressevie par mes piquets, ça c'est bon. Ah, juste un poil en retard. Ah si, c'est bon, ils ont penché la harpie juste à temps. Ça c'est fait. Dégagez-vous, c'est pas cela que je voulais. C'est pas grave. Hop. Ok. Ma cavalerie, allez par ici, vous. La première qui a combattu loyalement. Ok, vous allez vous prendre la place ici. La cavalerie, elle va gêner un peu, mais j'ai dû la secouer par ici, c'est un peu embêtant. Les piquets, ok. Les galates, faut que vous couriez par ici plutôt. Parce que... merde, j'ai sectionné eux. Allez, tant pis, j'envoie la cavalerie au cac, c'est pas grave. Hop. Ok, le centre va bientôt être à moi. C'est plus qu'une question de seconde, on peut dire. Ah merde. Ah, leur pétasse de merde aussi m'attaque là. J'ai oublié de charger. Ma première cavalerie, vous allez aussi charger par ici. Ma seconde, c'est bon, elle est en train de se charger d'eux. Putain, c'est tellement pété les hoplites là, les piquets là pour. Pour tenir une position, quoi. Bah, c'est pour ça, hein. Je me défends en même temps que j'attaque. Hein. Bah, ça. Vous... une seule unité de piqué. Bah, stopper une arme.
Et après, t'as les javelots qui tirent juste derrière, hein. Ouais, ouais, bah je vois le massacre. Je vois et j'apprécie. J'aime voir un si beau spectacle. tu. Eh, ils passent pas, hein. ils peuvent pas. Hein. Regarde, le sort, c'est bientôt à moi grâce à la seconde armée. T'as les. Le piquet tombe quand même, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Parce que les javelots font beaucoup plus de dommages. Tu crois, hein? Attends, ouais. Je regarde ça. Ah ouais. Ah oui. Regarde. Et en plus, t'as des renforts qui arrivent petit à petit. Hein. Donc, moi, ouais, je gagne sur la durée, hein, là, actuellement. Et hop, je me suis occupé des javelots de l'autre armée. Oh, ça passe. Où ça? Il y a des hôpites qui passent, qui vont attaquer tes archers là. C'est mes hôpites ça? Ah non, mais il y a mes hôpites qui vont les intercepter. Ah, je l'ai pas vu. Alors! Ouh, par contre, c'est déjà fini? Ils ont même pas fini de débarquer. Ah merde, par contre, leurs javelots me font bien chier. Faut que j'arrive à passer. Où sont les cavaliers? Ah, mais d'accord, toi tu. Ah oui! Mec, il passe entre les lignes. Laissez-moi passer, pardon. Ah, mais y'a plus d'ennemis là, si. Oh, ils y vont contre goutte, hein, tes cavaliers. Ouais, bah, je sais pas pourquoi, hein. Ils font chier. Ouais, je vais les faire bouger un peu plus. Ah, là, ils vont faire un carnage là, tes peltasses, si tu remets sur ce flanc là. Ici là, mon gars. Bon, j'ai résolu mon problème de. On peut dire de merde. Voilà, c'est bon. Vous les piquez, passez par là. Vous, bah. Pour les hôpitaux qui viennent à la rescousse. Ah, mais t'as même des. Ah non, c'est déjà. Ah oh merde, je suis négligent. Merde. Je suis négligent. Je peux pas regarder tous les côtés. Putain, fiché, je dois baquer. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Attends, petit moment pause que là je commence à me perdre. Ok. Ça veut dire que c'est dans la merde. Ok. On aurait dû faire les légendaires comme ça. Pas de pause, mon gars. Non, ok, je back ma cavalerie, elle va se faire décimer. On va préparer la deuxième ligne de défense. Ok. Ouais, il a fait aller super. Quoi. Là, s'il vient de te chercher. Justement, je bloque avec des hôpites aussi. Hein. J'ai des piquets hôpites là qui bloquent. Là, j'ai retiré ceux qui étaient bien affaiblis. La deuxième armée, par contre, je sais plus qui est qui. Donc, pause. Excusez-moi pour les pauses, mais c'est gênant pour tout le monde, on peut dire. Ok, ça, c'est mes piquets. Ok, donc ça, eux, ils vont aller là. Lui, il va aller là. Mes pétasses de renfort vont aller là. C'est tellement ingérable, une grande armée, mon gars. Ouais, voilà. Vous allez là, comme ça, voilà. Donc, ça. Par contre, ta cavalerie va se reposer. C'est bon, ma cavalerie s'est réussi à s'enfuir. Ça, c'est bon. Petit à petit, leur armée se fait dépiauter par mes piquets et hôpités pétastes. Les piquets. Oh, 60, 96. Oh là là, ils se sont pris une volée. Comme ça, je vais pouvoir me replier à la deuxième ligne de défense. Je commence à m'organiser quoi. Par contre ça devient une zone très tentante. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Ok.
Ok, offensif numéro 2. Go. Mes peltasts, vous allez tirer tous vos tirs. Attaquez les javelots. Qui vous attaquent sur le flanc. Moi, ce que je kiffais dans Arena, c'était les missions. Ça a été une révélation pour moi. Non, mais les piquets, c'est vraiment de la merde sur Arena, quoi. Bon. Tu les fais charger, tes peltasts ? Ouais, bah ils ont plus de javelot. Ils sont bien meilleurs que leurs leur peltasts, hein, je te rappelle. Hein. Ils les massacrent au cac. Hein. Mais s'ils ont plus de javelot, c'est exactement fait pour ça qu'ils ont fait attaquer les autres mecs au cac. Regarde, ils ont perdu la moitié de leur unité en charge. Hein. Non mais attends, c'est normal, il y a 3, ils se sont fait recharger les 3 armées, les pauvres. Ils ont pas d'armure, eux. La bataille tourne en notre faveur. Oh mon dieu. Putain, mais leurs javelots, ils en ont tellement, ça commence à être chiant, quoi. Beaucoup de pertes, beaucoup de pertes. Tu dois sans l'autre. Oh, c'est bon, je commence à attaquer. Stacker ça. Ok, vous, vous êtes fichu, vous allez reculer. Attends, l'autre front, ça se passe comment? J'ai une autre surprise. Hein? C'est qu'on va flancher comme ça. Mais moi je rame, mon gars. Ah bah, je crois que c'est toi qui me fais ramer en fait. C'est ma faute. Ouais. Alors attends. Par contre, les hôpitres sont un peu dans la merde. Ouais, bah là, ouais. Bon, ils ont bien tenu là, tes hôpitres. Merde, non. Attends, ça, restez là. Grande fatigue, Morlin en berne, attaqué par l'arrière. Oui, bah, ils sont. Je vais devoir essayer de baquer pour qu'ils survivent. Oh, il y en aura quelques-uns qui vont survivre, peut-être. Ouais, mais le but c'est survivre, hein. C'est pas gagner. Il était fortement en difficulté. Ouh, le drapeau qui est pas content. Mais là, ouais, j'ai réussi à emporter à peu près. Non, mais les catapultes, je t'emmerde. Oh, ils ont repris le moral. T'es. Mais attends, mais c'est pas possible, ils sont up. Ils sont argent ou or, ces hôpitres. Ils sont rang or, exactement. Ouais, voilà. Le truc qui... On s'aide pas. On s'aidera jamais. Regarde, c'est pour ça que j'ai fait replier, parce que je veux pas qu'ils meurent. Hein. Là, je protège avec mes autres unités pour pas qu'ils meurent. Là, ils fuient, mais ils sont pas morts. Oh. La différence est là. Ah. Ouais, mais bon. Ils sont arrivés à... au truc. Pour fuir. Regarde, c'est eux qui fuient maintenant, hein. Ouh, le drapeau de la défaite. Le drapeau de la défaite. Oh, oh, Okuchi. Oh. Ah, tu continues. Attends. Ah, mais il reste leur catapulte, c'est vrai. Donc je pourrais les massacrer comme je veux. Oh. C'est con d'avoir des catapultes marins qui veulent pas débarquer, hein. Par contre, vous allez arrêter de tirer parce que sinon. Voilà. Bon, pourquoi je pense que je vais faire une petite ellipse, hein. Allez, à la fin du massacre. Hein. Voilà, je relance l'enregistrement normalement. Oh, l'opit, tu sais, l'opit d'élite qui a fui. Ouais. À 13 mecs, 184 victimes. Oh là là. Calme. Bon, ils ont pris cher quand même, hein, mes unités, hein. Waouh. Tu vas faire un auto, t'aurais perdu moins de troupes. Non, j'aurais perdu des unités, tu vois. Non. Si. Ah. Voilà, je te réponds comme ça. Merci. Pas du bâtard. Été, récolte, guerre, proverbe grec. C'est un bien plâtre plan que celui qui ne peut être modifié. Publius Sirius, philosophe romain. Environ un siècle avant Jésus-Christ. Déborder n'est pas la seule manière de passer derrière une ligne ennemie. Trouvez un point faible, concentrez vos projectiles pour les affaiblir, pour charger avec vos troupes les plus offensives.
Non, mais ça, je connais très bien. Je me rappelle la petite bataille qu'on avait fait. Attends, c'était sur quoi? Ah, je sais plus. Je crois que c'était sur Attila. J'avais pris plutôt des tireurs pour t'affaiblir à Max. Et je les avais sauvés parce que j'avais fait un trou au centre de ton dispositif, tu vois. Comment? Ouais. Et ta cavalerie, il m'a pas pu prendre mes tireurs parce que j'étais passé au centre et je l'avais rebouché, quoi, avec mes propres troupes, quoi. Et donc mes tireurs ont pu faire un massacre comme ils voulaient, quoi. Et comme Attila, le principe c'est se décrocher, ne jamais décrocher sinon t'es mort, à moins que t'aies une autre unité qui permet d'accrocher l'autre. Et voilà. Ce qui fait que j'ai gagné. Grâce aux tireurs. Tes plus fidèles Profond. soldats t'ont trahi. C'est que ça fait 60 secondes que je t'attends. Non 60. mais. Tu vois, regarde, je tue des armées là. Oh. Oh, l'épée dans la tête, mon gars. Et il y avait l'autre armée, elle est morte en plus. Et la navale aussi est morte. Ouh, j'ai massacré trois armées. Bon, la garnison, mais bon, c'est. Ah non, Voilà. il y a. Non, l'armée de garnison a un petit peu survécu. Un petit peu. Et tu vois, là, il n'y a aucun qui est mort. Oh, j'ai un piqué rang 8. Intéressant. Et mes pelleteurs sont passés en rang argent. Intéressant. Alors, par contre, un temple, du bois, du commerce, une mine. Et les hoplites, le temple de garnison, ouais, pour poisson, je sais pas, je vais le garder pour peut-être pour faire une garnison, quoi. Par contre, à 10 midi, je vais faire. Ça va être la ville temple, tu vois. C'est la ville dans le désert, quoi. C'est The Ville, quoi. Alors, par contre. Mon invasion. Comment se déroule mon invasion? Plutôt bien, je trouve. Ok. Alors, oui, c'est vrai que j'avais un espion! Qui voulait voir saboter des armées carthaginoises en Sicile, voilà, pour éviter une plus grande menace. Ouh, j'ai dû tuer au moins plus d'un tiers de l'armée. Ça, c'est bon. Ça c'est très bon. Tiens, par contre, mes bateaux peuvent avoir une amélioration de. Hop. Tac. Grâce à la ville que j'ai conquis, une amélioration peut se faire. Hop, 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 hop. On améliore l'Afrique aussi. L'Afrique? Carthage, quoi. La région de Carthage, quoi. Si tu préfères. Oh. Parce qu'elle se développe, sous mon influence, tu vois. Moi, je suis prêt pour développer ces belles petites provinces, quoi. C'est normal, je pense. Et c'est quoi qui me fait augmenter mes. C'est quel bâtiment? C'est leur bâtiment, hein, ici? T'as pris une merveille à tous les coups sans savoir. Non, c'est pas ce bâtiment. Qu'est-ce qui fait qu'il me développe? Ah, ok, c'est la ville à bois. Donc toi aussi, tu peux faire ça. Intéressant. Ouais. Donc c'est juste le bois qui me fait que je. Voilà, c'est très stupide. Ah, mais c'est vrai que maintenant, cette armée peut recruter des cavaliers des chevaux de meilleure qualité. Oh. Et le front va bientôt se porter en Afrique. Et Turbécan est en train. Oula, attends. Turbécan? Vous êtes allié à qui? Avec les Lusitaniens. On va vous Venez, aider. mon On va ami, commercer avec vous. asseyez-vous, qu'avons-nous? Parce que. Ceci est juste. En vous aidant, vous m'aidez d'une certaine façon à combattre contre les Arvaques, que je déteste par-dessus tout. Pourquoi? Parce que c'est un gros fléau, tu vois, ils sont tellement belliqueux. Et à Ibi, il n'y a plus qu'une ville. Carthage a plus que deux villes. Ça, c'est bon. Ok, et ben, je réfléchis, je réfléchis. Je crois que j'ai tout fait, hein, apparemment. N'est-ce pas? Ah non, 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 j'ai pas tout fait. Quoi ça? Voilà. Comme ça, je suis à portée de ville de Prada, si tu veux l'attaquer. Il y a mon soutien d'armée qui Ouh, est prêt. t'avais oublié de déplacer mon armée, hein? Non, mais c'est mon armée, ça. Oui, mais...
C'est une armée de soutien. L'armée de soutien. Donc prochain tour, j'attaque Prada, c'est ça? Bah non. Non? J'attaque Prada. Tu croyais que j'allais laisser cette vie sans défense? C'est ce me surestimé, mon cher. Hop. T'oserais pas l'attaquer là, sans soutien. Si? Moi aussi, y a quoi non, de moi ça va, je le fais, hein. Ah ouais. Bientôt, je pourrai attaquer l'armée de Sicile au prochain tour. Comme ça sera anéanti. Il y aura aussi le... Je vais pouvoir peut-être... Ah, super, la Libye n'a pas pu fuir grâce à mon espion. Mon espion du couac. Et les Roxans, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que là, ils ont deux armées. Ils veulent rejoindre la guerre contre Parthe. Ouais, mais fais gaffe parce qu'ils sont proches de t'attaquer aussi quand même. Hein. Peut-être ah bon une petite distraction sur les Parthes pourrait permettre... Non, non. Kiff moi, ah non. Parce qu'ils ont deux armées à tes frontières, hein, du sud. À Susia et à Zadrakarta. La ville de... Bah, la région de Parthes. De départ. J'accepte leur offre. Alliance défensive. Oh, Syracuse, je t'aime beaucoup. J'accepte. Parce que, poisson, mon but, c'est pas de les tuer. Pack de non-agression. Voilà. Nat. Un pacte de non-agression avec les Vivisques. Vivisques, c'est des Gaulois, je crois, non? Ou des... non, c'est des Espagnols, les Vivisques, non? Ouais, c'est des Espagnols, ouais. Oh non, attends. Ah non! C'est des Bordelais. Wow. Leur capitale est à Bordeaux, bizarrement. Hein. Alors? Ils se font attaquer par les Arvaques. Ah, ce sont des Gaulois. Intéressant. Intéressant. Je déclare la guerre comme ça direct pour Prada. Bah. Instantanément. Ils ont quoi comme allié déjà? Parce que. Bah, j'hésite un peu parce que là, t'as un gros. Le problème part, c'est après tu risques d'avoir le problème Roxalan donc. Ils ont Draguiant. J'hésite un peu. Je pense que c'est peut-être pas le meilleur moment de l'attaquer les Sargassiens s'ils ont un allié des Drangan. Je pense pas que tu auras la force possible. Je suis d'accord. Ouais. Alors. Moi c'est pas mon problème. Moi, je peux te former une armée rapidement pour me défendre mon territoire. Mais bon, tiens, il est plutôt assez en difficulté quoi. Et je me fais piller dans le nord aussi. Ah oui, mais c'est ton nouveau territoire, c'est pas problématique ça. Non, dans le nord-nord. Le nord-nord. Le nord crimien. Ah ouais, le nord crimien, ouais. Oh là. Là, j'ai mon armée qui est en route, mais. Après, c'est les Aestikatek, t'as les Apuliens qui sont tes alliés, je crois, les Apuliens, non? La Bactrie, je l'attaque direct ou comment ça se passe? Bah, déjà, est-ce que t'as un espion pour voir ce qu'ils ont comme armée, hein, avant d'attaquer comme ça? Ne fais pas ton Romain, ok? T'es confiant. Non, j'ai pas de truc à côté. Et en plus, regarde, les héros populaires, ils sont pas complets, ils manquent de... Ils pas de ok, leur troupe, d'accord. On va créer un espion, je sais pas. Et je peux pas. Tu peux pas? Ils sont où tes espions? Ils sont un dans le nord, qui protège. Ouais. Et un dans le sud. Et t'en as que deux? Bah oui. Voilà. Mais ouais, mon gars, tu crois que... Pas que je suis des gestions de tout possible, oui. J'en ai 4, hein, je crois. Non, 3, ok. Et ouais. Mais j'ai 4 dignitaires et 4 champions. Et j'ai en fait, j'ai perverti les des agents ennemis, en fait, c'est pour ça. Quoi. Ouais, je sais. Moi, je t'avoue que j'ai pas trop eu l'occasion. Dont le 7% du champion, je crois, ou du dignitaire, je crois. C'est réussite que j'avais fait quoi. Le 7% réussite quoi. En fait, tu as le mec qui commençait sa perversion et là, l'autre en face. Ils
s'en fiche complètement. Et tout d'un coup, t'as un billet qui dépasse de la poche. Et là, oh, de l'argent. Là, t'étais content. C'était... Voilà, c'est ça. Alors, attends, parce que là, je t'avouerai que je sais pas. Terminé le tour. Oh, tu as été tellement rapide. Alors, population énervée, pourquoi ? Macomad. Ah, bah, ils sont pas contents quand même. Ok, bon, bah. Oui, d'un moins qu'un, je me paye un moins deux, mais je l'ai pas senti la différence. Oh là là. Ok, c'est les libonium que j'ai. Ok, je vais tuer l'armée carthaginoise. Ok, bon là, je n'ai pas besoin de le faire. Ça c'est fait. L'armée carthaginoise est morte. Et t'as vu dans Warhammer les remparts, alléluia, ça sera assez pour mettre deux troupes. Ouais. Deux troupes. Genre en largeur. Intéressant. Genre tu pourras mettre les épéistes derrière, les archers devant, puis dès qu'ils arrivent au rempart... On pouvait faire, mais c'était toujours un peu buggé les remparts. Ça a toujours été trop buggé, on pouvait rien faire sur le rempart. Surtout le nombre de bugs que j'avais sur le rempart du genre, mes unités restent sur les remparts. Ouais, surtout au début du jeu, là, avec les escaliers, c'était horrible. Non mais... Ah oui, les fameux escaliers, oui. Ah, c'était épique, ça. Putain. Ah, les escaliers, j'avais oublié, c'était cool. Bon bah je vais tuer le général chanceux quand même. Hein. Il m'avait osé me provoquer, de survivre. Voilà. Maintenant il est mort. Par contre, qui c'est qui est plus en forme? Aucune de ces deux armées est plus en forme. Il n'y a qu'une armée qui est en forme. Est-ce que je prends le risque de faire la marche forcée jusqu'à Tingis, la capitale libyenne? Je pense que je vais tenter la méthode risquée. Ah ouais? Ouais. Vas-y. J'ai rien à perdre, j'ai ma défense solide et j'ai plus à gagner à déstabiliser au complet les Libyens le plus rapidement possible. D'une part, je tue une autre armée libyenne encore qui était restée en arrière. Il me reste plus qu'une armée carthaginoise en arrière qui pense que le désert va le sauver la vie. Il ne sait toujours pas que c'est mon territoire de chasse. Et est-ce que je peux... Ah non, je ne pourrais pas atteindre. Hein. Il fait chier ce mec. Bon. Bon, je vais l'empoisonner sa vie et je ne pense pas qu'il va me faire un gros tort. Ok, ça avance. Par contre, les flottes carthaginoises tactiquement devraient pas me voir, donc cette flotte peut faire marche forcée. Libenium, est-ce qu'il y a de la garnison? Ouais, pas trop, je peux pas faire partir. Carthage, a-t-elle une garnison? Ouais. Ok. Et ben, avancer de l'armée de Carthage vers son destin. Et bah sinon bah je termine mon tour hein. Hop. Voilà. Blablabla, ce personnage n'a pas eu de compétences sectionnées. La clan de Demos, oui, qui a tué du Carthagin noir. Genre, je dis bien, qu'est-ce que je veux dire. Hop, hop, hop. Voilà. Granditude mon empire. Vaste. Ça va. Vaste. Dur à défendre. Et vu l'étendue, toi, c'est chaud, quoi. Mais ça va, c'est pas comme si t'étais côté barbare, quoi. Non. Là, qui c'est qui t'attaque, là ? T'es qu'un bateau, mais bon, c'est pas... Ah, finalement, les citadins que je pariais vainqueur contre les Arva qui sont en train de perdre. Intéressant. Mais ils ont deux ennemis, avant ils en avaient qu'un. C'est bête. On s'en fout de votre guerre, Aksu, mais pourquoi j'attaquerais des Athéniens? Oh là là. Eh, dis-moi, ça fait combien de temps que ça tourne, là? Bah, ça tourne depuis 45 minutes avec Ellipse. 45 minutes. Ouais, donc c'est... Je pense qu'on va te laisser à la fin de ton tour. Hein.
très très bien. Attends, les Dragiantes qui veulent un accord commercial, c'est mort. Pas d'accord. Après... Ouh, la rime. La prose. Fou. La générosité entre amis. Ouais, moi, je me lie plus d'amitié avec les derniers Arabes du monde. Non, il y en a dans le sud aussi. Bah, il y en a avec deux d'Arabes. Ah oui. Et les Dragiens. Non, c'est pas des Arabes. Pouvez-vous nous aider avec ce... Les Arabes, ça vient d'Arabie, ça vient pas de là. Arabie, sa seigneurie. Aliababa. Bon, c'est mon tour. C'est mon tour. En tout cas, j'ai plusieurs cités de vacances. Hein. Maintenant, j'ai une... Avec toutes les îles que j'ai, hein, entre Salami, Rhodes, Hypatina, Sparte, hein, et Libaum. J'ai des sacrées villes de vacances hein, dans mon empire. Hein. Ah oui. T'as, parce que moi, mes vacances, je passe sur des îles, hein, tu vois, c'est loin de tous les conflits. Hein. Ouais, mais parce que tu peux. Je peux, quoi. Bon, d'accord, j'attaque pas, d'accord, ok, je n'attaque pas. Après, je te suis. Hein, si la batterie. Bah, comme tu vas pas attaquer bah, le, eux, bah, on peut aller directement sur la batterie, quoi. Là, ah ouais, ils ont une armée et deux. Ouais, c'est bon, ok. Ça va, après, techniquement, je sais pas combien ils ont de... Comment sont leurs qualités de leurs soldats, donc je sais pas si tu peux vaincre avec une seule armée. Mais c'est pas la qualité pergaméenne. Alors, ils ont attends, pas la même éducation hein, aussi, parce que là j'ai fini ma tech de bibliothèque, au rang max. Le serment d'Hippocrate. Le temple c'est ça, et c'est cool pour le truc de commerce. Vous êtes sérieux? C'est tout là-bas? Les archives économiques? T'es un peu obligé de le faire, hein, ces quatre. Hein. De quoi? Non, parce que j'ai... Oh, c'est là aussi les mines à 4. C'était pour tester, pour faire la région la plus riche du monde, mais j'ai tellement pas les techs, quoi. Oui. Parce que tu vois, moi aussi, je suis passé un peu sur le militaire, hein, un petit peu, mais j'étais un peu revenu sur le... Pour hein, le... On passe à le... Et oui, la bibliothèque. Ouais, mais moi c'est rang 4 ma bibliothèque maintenant, elle va passer à ça. Ouais. Moi dans 8 tours, j'ai ma tech pour les avoir la cavalerie à 4 fracteurs. Non, mais moi maintenant j'ai tous mes soldats que je peux créer. Hein. Même tous mes soldats meilleurs possible. Dans 3 tours en Afrique et dans 2 tours dans tous les autres provinces. Non, moi c'est que les cavaliers qui me manquent. Alors. Mais après, j'ai deux versions de ma cavalerie de choc, hein. C'est ça qui est... Mais bon, ça vaut pas le coup de prendre d'autres versions, parce qu'elle est juste moins chère et moins efficace. Ah, c'est vraiment dommage que Carthage ne subit pas d'attrition dans le désert. Hop, là, il y a une armée qui vient en renfort. Et le plus bizarre, c'est que malgré que je suis en Turquie, je n'ai pas de bonus contre le désert. Hein, donc je crois qu'il y a un peu de désert quand même en Turquie, avec les montagnes. Certaines régions sont désertiques, non? Non. Peut-être maintenant, mais là, regarde comme c'est touffu là sur la map. Ouais, c'est assez touffu, mais il n'y a pas quelques régions qui sont un peu désertiques? Bah, peut-être. C'est grand la Turquie. Ouais, la Turquie, c'est tellement... Bah, c'est très riche aussi. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Rappelle-moi les bâtiments. Les bâtiments, on fait. Tu devais te suicider. Les bâtiments. Alors attends, tac tac tac. Et il reste plus que Boukhara aussi contre les Parthes. Par contre, il y a les Khorasmi. Ils sont comment les Khorasmi? Le monsieur avec un truc sur le dos là. Je sais pas si c'est un cheval ou un. Petit poney. Petit poney. Petit poney. Ah, mais ils sont que deux régions. Ah, les Khorasmi. Ok. Ah, mais c'est intéressant aussi de les attaquer dès que possible cette merde. Et par contre, les Roxanus ont 4 provinces. Intéressant.
Je vais recruter une autre armée. Le mieux, c'est finir la Bactrie. Tu t'occupes après des Kourasmis avec les Parthes. Et après, tu te rabats sur le sud, quoi. Donc ça, tu finis tout. C'est toujours dans la même région. Et après, tu remontes pour t'occuper de Roxalan, quoi. Et après, tu n'as plus aucun problème, quoi. Ça, c'est la théorie, ça. C'est la théorie. Mais après, il ne restera plus que l'Ouest. Mais bon... Mais normalement, les Kourasmi, les Parthes et les Bactries, tu peux te les faire facilement. Théoriquement. Hein. Donc tu devrais remonter tes armées, là, les deux qui sont au sud, là, qui sont à la frontière des Sargassiens. Alors, attends. Là, je fais quelques... Bah, tu peux rester. Je réfléchis combien j'en fais. Non, mais réfléchis pas trop, tu sais, sinon je te fais pause et... On va ça au prochain épisode. Et je viens de voir que t'as fait des balises géantes. Non. Si. J'en ai fait deux, ça va. Bah, des, donc c'est... Oh. Oui, j'en ai fait que deux. Deux qui pourront pas se déplacer. Non. Ça sera l'armée. elle bougera pas, tu vois. Je vais d'ailleurs rajouter plus d'archers. Du coup. Oh là là. Lâche. Plus d'archers. Et il en est où ton entraînement repas? Ouh, ça fait belle lurette que... T'as pas touché, quoi. Et... J'ai plus touché, ouais. Bah, mais il y a aussi une option. Une option sur repas, on peut faire en tag team, c'est-à-dire qu'on peut gérer tous les deux le même pays. Ouais. StarCraft. Ça peut être good, ça. C'est surtout cool. Pour les premiers venus. Alors, attends. Tu voulais que j'aille où avec mes armées, là? Bah... t'as les deux armées du sud-est qui sont Aria et Arakosia comme région, qui sont proches de mon armée, quoi. Ouais. Il y a celle-là, je te conseille de la remonter vers la Bactrie. Ouais. Celle-là va monter pour essayer d'attaquer là ou là, parce que celle-là va sûrement attaquer par là. Attends. Laquelle ? Celle d'Aria qui est à côté de mon armée. Tu peux la monter qui va attaquer par là. Et avec où. Mais tu peux choisir aussi d'attaquer par là pour avoir toute la région, avec Parthes, le soutien de l'armée, parce que je connais pas ce qu'ils ont, où est leur armée par contre de cette mer. Donc le plus probable que leur armée se situe à Cast. Et là, ils auront des troupes, en tout cas beaucoup, parce que c'est un nomade et il a tendance à popper beaucoup de troupes. Ok. Les nomades, cancer. Oui, les nomades, c'est un cancer, mais... Et je suis bien content que c'est pas à moi de m'en occuper, hein. Attends, mais on devrait pas plutôt choper les trucs pour finir au moins le... Bon, faut un petit peu durer, quoi. Sinon... Vas-y, je finis ce petit bout, là. Il devient tout vert. Comme ça, moi aussi, j'aurai un grand tel. De toute façon, après, moi, je fais durer un peu l'épisode de mon côté, de toute façon... Je finis Carthage, quoi. J'aurai un empire qui ira jusqu'en Espagne. Je pourrais même prendre l'Espagne, parce que là, quand tu commences à prendre l'Espagne. Ah ouais, là, limite, je pourrais monter jusqu'en Gaule, quoi. Ouais, moi, j'attaquerai d'abord l'Italie. Quoique, Rome, tu devrais la laisser s'étendre au maximum, qu'ils te sortent les Prétoriens, et là, tu fais le combat final. Non, mais je l'ai déploré, mon gars. Je déplorais toutes mes ressources, c'est-à-dire le nombre, les mercenaires, l'argent. Ouais. Non, mais ça pourrait être cool que pour un nombre équivalent de soldats. Genre, tu mets tes soldats épiques contre. Non, mais techniquement, ma puissance, ça serait tout autour de la Méditerranée et toi, tu auras juste le reste. Quoi, le reste? Le reste! C'est-à-dire, limite, le nord de la Gaule, tu vois, jusqu'à là, tu prends même pas la Cisalpine. Attends. Déjà, je dois m'occuper des chevaux là, des cavaliers. Bon, vas-y, je fais fin du tour. Hein. Et ça va être la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé. C'était 22.